c'est le Malinois. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette petite vidéo c'est une petite vidéo setup, tu vois, petite vidéo setup improvisée. Donc je te prépare avec la petite vidéo setup, c'est parti. Je vous ai dit, je vais vous présenter un petit peu tout mon matos, tout ça. Donc j'ai pas grand chose encore, j'ai vraiment pas grand chose, mais juste une petite vidéo setup. Donc là les gars, on se retrouve avec un petit PC portable. Donc c'est un Intel Core i5 en fait, il est pas mal et tout, c'est avec ça que je fais mon montage. Donc c'est un petit Lenovo, voilà. Ensuite j'ai mon petit iPad R2, en fait c'est un petit mini, tu vois. C'est un petit iPad mini, il est cool, tu vois. Là il y a ma manette de Xbox, One. Ça c'est pour changer les couleurs de mes LED, que vous voyez, mes petits LED à l'arrière, tu vois, ça c'est la base, c'est de... là ma petite Xbox One, c'est une petite Xbox One, tu vois, bien sympatoche. Ensuite les gars, on a la petite Google Home. Ok Google, raconte-moi une blague. Une blague, c'est parti. Comment appelle-t-on un cadeau qui s'en va? Une surprise partie. Google, tu peux la merde. Ensuite, on a un petit casque, les gars. Donc, c'est un petit HyperX Cloud Alpha. Tu vois, tu connais les bails, j'ai payé 150 balles. Ensuite, on a un petit, enfin, une petite souris. Bon, ça, c'est une souris pas très chère que j'ai payé sur Amazon. Tu vois, je l'ai payé une dizaine d'euros. Donc, tu vois, c'est un petit peu nul, mais bon, tu vois, c'est la hesse. Ensuite, on a une petite manette Xbox One Elite. Donc, c'est avec ça que je joue, tu vois, couleur blanche, nouvelle édition. C'est édition spéciale avec les petites palettes en dessous. Bon, là j'en ai mis que deux, tu vois. T'as les raccourcis et tout. C'est très bien. Ensuite, on a la Google, je t'ai déjà dit. On a le petit écran. Donc, mon petit écran Acer Predator, tu vois. C'est là avec ça que je joue à Fortnite. Donc, si vous voulez m'ajouter, le gamer du 999, tu vois. C'est un petit écran qui a 1 ms de temps de réponse. C'est ultra rapide, vous avez 144 Hz de rafraîchissement. J'ai des petites enceintes IT Works, tu vois, ça j'ai pas payé très cher, tu vois. Cette petite enceinte, tu vois, avec le caisson de basse qui est juste en dessous. Donc c'est des petites enceintes qui font très bien le taf, tu vois. Des fois t'as pas envie de foutre le casque, t'as juste envie d'écouter un peu de musique, de regarder des vidéos, tu vois. Donc je les ai payé une trentaine d'euros. Donc voilà. Et il reste quelque chose, juste mon siège. Donc, je vous ai pas présenté mon siège. Donc c'est un siège que j'ai acheté à but. Donc je l'ai acheté 200 euros. C'est pas donné. Mais après le prix c'est la qualité, tu vois. Tu vois, c'est la qualité. Après tu vois, il y a un truc qui est cool avec ce siège. Ce qui est cool avec ce petit siège, c'est que t'as plein de fonctions super cool, tu vois. T'as les trucs, c'est maniable, tu vois. Tu peux descendre, tu peux monter. Ensuite tu vois, t'as un petit dossier hyper confortable. C'est que du coton à l'intérieur. En fait tu vois, tu peux baisser. Tu peux t'allonger quand t'es un petit peu bien le soir, tu vois. Tu regardes ton petit écran, tu te mets bien comme ça au calme, t'as pas mal au dos, t'as des petits coussins, t'as des rembourrements dedans. Ce dont je vous avais pas parlé, c'est ce petit bijou. Putain, c'est lourd. Ce petit bijou, cette petite enceinte, cette JBL Extreme, tu vois, elle fait un très bon son. Tu vois, bah, c'est JBL, tu vois, elle est assez massive. C'est la JBL Extreme, donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez l'acheter. Tout simplement. Tu vois, j'en ai fini avec mon petit setup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, si t'as aimé la vidéo, tu likes.